Tipou les gens, aujourd'hui petit vlog, et comme vous le voyez, je suis pas en train de filmer avec mon téléphone portable, par conséquent, c'est-à-dire que j'ai retrouvé une certaine stabilité, ce qui est déjà vachement chouette. Je peux pas récupérer encore mon appart, hein, j'en ai encore pour 2 ou 3 mois sans pouvoir rentrer dans mon appart, des contaminations, travaux, tout ça, tout ça, tout ça. En ce moment, je loue une chambre chez une amie et ça se passe très bien. Voilà. Cosima s'entend bien avec l'autre chat. Elle a très peur des poules, donc du coup, elle m'a blessé en essayant de s'enfuir. Mais sinon, tout va bien. Et je vis du coup en cohabitation avec une amie et un cis-mec qui est encore en vie, pour les gens qui se demandent. Autre chose, oui, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont fait plein de gentils commentaires, qui m'ont donné également des sous sur la cagnotte, cagnotte qui est toujours ouverte. Mais voilà, vous avez été beaucoup à m'aider et ça m'a complètement sauvé la vie, donc vraiment merci beaucoup. J'en profite pour remercier mes tipeurs et tipeuses régulières et réguliers qui sont toujours là pour moi et qui me permettent de me dire que bah, peut-être qu'un jour je ne serai pas en train de me dire que je vais mourir de faim, mais sinon tout va bien. Quoi d'autre, quoi d'autre? Oui, je voulais aussi en profiter pour glisser un petit mot concernant le mot d'ordre de la Pride donné par l'inter-LGBT, avec un mot d'ordre axé sur le sport. On se demande ce qu'ils ont foutu. Je veux dire, autant ça serait pour donner un gros coup d'éclairage sur la position trans, intersexe, les violences médicales, etc. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant, mais en fait, c'est pas du tout l'angle. C'est juste que le sport, c'est chouette, le sport, c'est jeune, et voilà. Donc, beau, gros pinkwashing des familles. Donc, on va essayer de monter un pink block dans la Pride de ma région, on va voir ce que ça donne. Anyway, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bientôt, je mettrai en ligne une vidéo que j'ai montée. Enfin, que j'ai tourné avant l'incendie et que j'avais pas, enfin que j'ai pas pu monter avant parce que j'avais pas le matos, etc. Donc je vais monter ça. Ça sera un petit peu off au niveau du timing, mais bon, c'est pas grave. Et puis après, d'ici une semaine, on reprend les vidéos comme d'habitude en essayant de donner un petit coup de pouce au niveau de la vitesse de sortie, même si j'ai un décor qui est plus ou moins foireux, voire inexistant, j'ai au moins la chance d'avoir une luminosité qui est meilleure que chez moi. Donc voilà, on va quand même montrer les avantages de la situation. La luminosité est bonne. Bon, j'ai quand même deux parapluies, hein. Anyway, voilà, merci encore. Merci de lutter avec moi, merci de me soutenir, merci de me regarder, merci de m'écouter. Merci du fond du cœur. Tipoui!